I love this watch. Do you like it? I do. Why don't you get it? It's pretty expensive. It's $49.99. That price isn't bad. It's a nice watch. Yeah, maybe you're right. I think I'll get it. Page 18. Exercise 4. Listening. Look at these. Listen to Tim and Sandra shopping. Complete the chart. 1. Look at these. Inline skates. I really want a pair. But they're pretty expensive. They're $165. Oh yeah, you're right. $165 is too expensive. 2. Here's a great cap for you. That one? Is it expensive? Not really. It's only $9.95. $9.95 is very reasonable. I think I'll take it. 3. What do you think of those sunglasses? They're only $16. They're nice. Try them on. Oh no, I think they're too big. You're right, they are too big. 4. I love this watch. Do you like it? I do. Why don't you get it? It's pretty expensive. It's $49.99. That price isn't bad. It's a nice watch. Yeah, maybe you're right. I think I'll get it. Page 18. Exercise 4. Listening. Look at these. Listen to Tim and Sandra shopping. Complete the chart. 1. Look at these. Inline skates. I really want a pair. But they're pretty expensive. They're $165. Oh yeah, you're right. $165 is too expensive. 2. Here's a great cap for you. That one? Is it expensive? Not really. It's only $9.95. $9.95 is very reasonable. I think I'll take it. 3. What do you think of those sunglasses? They're only $16. They're nice. Try them on. Oh no, I think they're too big. You're right, they are too big. 4. I love this watch. Do you like it? I do. Why don't you get it? It's pretty expensive. It's $49.99. That price isn't bad. It's a nice watch. Yeah, maybe you're right. I think I'll get it. Page 18. Exercise 4. Listening. Look at these. Listen to Tim and Sandra shopping. Complete the chart. 1. Look at these. Inline skates. I really want a pair. But they're pretty expensive. They're $165. Oh yeah, you're right. $165 is too expensive. 2. Here's a great cap for you. That one? Is it expensive? Not really. It's only $9.95. $9.95 is very reasonable. I think I'll take it. 3. What do you think of those sunglasses? They're only $16. They're nice. Try them on. Oh no, I think they're too big. You're right. They are too big. 4. I love this watch. Do you like it? I do. Why don't you get it? It's pretty expensive. It's $49.99. That price isn't bad. It's a nice watch. Yeah, maybe you're right. I think I'll get it. Page 18. Exercise 4. Listening. Look at these. Listen to Tim and Sandra shopping. Complete. Welcome to Malbranche on the air. Say hello to you. Hello to everybody. Thank you because you remember that when it's 8 o'clock, it's time for our English class. Thank you very much. Merci beaucoup le fait que déjà chita pour ton anglais spécial ça.
Depuis le fait 8 heures qui rentre la caillou avec moi-même, Malle Branche on the air. Il y a un très bel coup anglais, quand on chita la caillou, on va amuser avec nous ensemble, ok? Merci le fait que vous êtes déjà là, ou qu'on est déjà, si rendez-vous à ne pas rater, moi là, moi à préparer, mettre bon anglais sous pour amuser, ou bien un seul petit bagage pour faire, c'est partager pour arriver sous plus monde, ok? En nous partager, parce que je dis en nous pral toucher tout verbe au passé, ok? Hier, nous t'ai touché au présent, nous t'ai bâillé en pile phrase au présent, ok? Bâillé en pile exemple au présent. Je dis, nous pral bâillé en pile exemple au présent continu et au passé simple, ok? Préparez-vous, dégagez-vous, partagez live là, ok? Partagez-le pour nous démarrer exactement au moins 20 moun, hein? Partagez-le très rapide pour nous démarrer avec une vingtaine de monde. Très rapide avec si bel coup anglais ça qui entre la caillou, ok? Côté wap chita wap distro avec belle si phrase, belle verbe. Côté wap moutou avec un seul verbe ou ka faire au moins 5 à 6 phrases, ok? Pour capable parler anglais sans aucun problème. En nous partager, dégagez-nous, la gueule dans tout groupe qu'on a gagné. Évitez en mieux, venez suivre coup anglais ça, ok? Plaisir belle. Gen pile bel bagay, c'est vrai, mais là, gen ti bagay là, en tête là, son l'autre bagay. Merci le fait que déjà pour ti chaise ba ou chita pour suivre. Malle Branche on the air. Évitez un mot rapide, bon, yon minute pour faire ça. N'a pas tourné très rapide pour nous venir continuer. Kounia nous pral parler de passé simple et puis, présent continu avec chaque grain verbe qu'il a. N'a pas tout ba ou passé yo, ok? N'a pas tout ba ou passé yon après l'autre avec exemple. Et na présente au présent continu. Thank you, merci. On nous partager très rapide. Nous pral commencer expliquer verbe kounya au passé. Hier nous t'ai parlé de présent yo. Je dis nous pral toucher passé yo très rapide. Inviter, partager. Moi prêt pour moi pousser travail là plus devant, mais c'est avec soutien. Merci. Yon minute pour partage et puis m'a tourner rapide pour venir commencer. Expliquez au présent continu avec passé simple en anglais. Chart. 1. Look at these inline skates. I really want a pair. But they're pretty expensive. They're $165. Oh yeah, you're right. $165 is too expensive. 2. Here's a great cap for you. That one? Is it expensive? Not really. It's only $9.95. $9.95 is very reasonable. I think I'll take it. 3. What do you think of those sunglasses? They're only $16. They're nice. Try them on. Oh no, I think they're too big. You're right. They are too big. 4. Expensive. It's $49.99. That price isn't bad. It's a nice watch. Yeah, maybe you're right. I think I'll get it. Ok, moi retourner très rapidement. Nous connaissons, nous pas qu'à perdre du temps, hein. On va avancer, bien que moi, je veux voir chaque bote de monde qui l'a marqué share, qui c'est partager, ok? Ou après marqué share, oui. Ça veut dire que c'est un monde qui partage, qui invite, vous en avez venu suivre, ok? Nous allons déraper très rapidement. Côté nous prenons le forward verbe au passé, ok? Vous connaissez comment utiliser passé simple en anglais, ok? C'est pour une action qui passait et terminait dans le passé, alright? You understand? Et vous connaissez très bien comment utiliser présent continu en anglais. C'est présent continu, ça veut dire action à faire, la continuer dans le présent, ok? Par exemple, pendant que je parle à vous là, je continue à parler. Pendant que je parle à vous là, je enseigne anglais, ok? Ça, ce sont des actions qui ont continué. Ça m'a utilisé présent continu, ok? Des fois, je l'année dernière, des fois, je semaine dernière, des fois, je mois dernier, ok? Je supposé utiliser le passé en anglais. C'est ça que je dis, nous parlons passé très rapide. Mettez au prêt, partagez-le. Je souhaite l'aide monter là pour nous au moins 50 de monde qui prêt pour suivre anglais avec nous. En direct. Ok, good. Nous allons partir avec un premier verbe blanc parce que nous n'avons pas de temps pour nous perdre. Ok. Nous allons partir avec premier verbe blanc qui c'est agree. Songez-moi du agree qui signifie être d'accord. Ok.
être d'accord ou du moins se mettre d'accord, ok? Ça veut dire ou mettre d'accord en bagaille, ou dit I agree, ok? Ou dit I agree. Là, dit I agree, ou dit je suis d'accord, ok? Et comme si vous dit en espagnol, de acuerdo, ok? Soy acuerdo, alright? Dit agree, agree, alright? But the past tense, c'est-à-dire le passé de agree, c'est agreed, like this, ok? Il est terminé par yon D. Ça veut dire que c'est un verbe régulier. Depuis que vous voyez yo en anglais, ou est un verbe qui termine par aider, c'est-à-dire verbe ça relé verbe régulier, OK? Verbe là relé régulier parce que le terminé ce sont des verbes qui terminent par aider en anglais, OK? L'aime vin la m'gagne agree, agree, passé simple c'est agreed, participe passé aussi c'est agreed. Est-ce que nous là, hein? Est-ce que nous là? On continue, on continue, on continue. C'est un message là. Hein? Bienvenue. Ok, ok, very good. N'a fait ça, hein? N'a fait ça. Allez, nous un groupe qui a démarré. Nous allons rentrer tout le monde dans la liste, nous mettre relax nous. Et je dis, hein, c'est le dernier jour pour nous partir avec le groupe là. Ok, pour nous faire petit pratique nous ensemble. On pas besoin de peur. Nous comptons travailler sur la liste là. Ok, on qui demande côté cours, côté groupe pratique là. On pas besoin de peur. Nous allons rentrer la liste là. Ok, m'a fin rempli là et puis nous la gait à l'air comme ça. Ok, Gleas, agreed. Ok, gros amis qui dit ça, là groupe là chaque temps fin fait groupe vocabulaire ça m'a tout la gait là-dedans. Ouais, m'a tout la gait là-dedans, juste faire photo, la gait là-dedans, bao. Et puis qu'on a moi-même m'a demandé pour faire quelque bagaille. Ouais, prend 5 verbes là-dedans, fait 5 phrases pour moi. OK, 5 temps différents par exemple. Et cela hein, il va l'encourager au fait petit travail aussi. Ok, Gleas, thank you very much. Là m'gagne agree. Agree là qui signifie se mettre d'accord, ok? Là me dit I am agree, me dit moi d'accord, ok? Ou n'a clair? Si me dit me d'accord pour un bagay fait, moi te d'accord, m'a utiliser agreed, ok? I agreed when he asked for advice. Est-ce là? Hein? Me dit me d'accord, l'elle te mande me conseil, ok? I agreed. OK, qui signifie moi t'es d'accord. Ouais, moi t'es d'accord, OK? Depuis là, écoute yes pour moi tout le monde moi là avec moi. On faut écoute yes, on dit yes, OK? C'est bien voyez tu t'en ça. Mais là dit mon petit yes, on dit yes, on dit hello. On connaît où là avec moi. On continue. Agreed, terminé là. On dit agree c'est le passé. Mais verbe là c'est agree, OK? Passé là c'est agreed. Participe passé à c'est agreed, ok? Verbe ça signifie être d'accord. Je suis d'accord, me dit I agree, like this, ok? I agree, ok? Si c'était hier, on va qui t'est passé, m'a utilisé passé de agree, m'a dit agreed, ok? Agreed. Est-ce que nous là, hein? Si m'a utilisé présent continu de agreed, m'a dit I am agreed. I am agreeing. Okay, I am agreeing. C'est en train d'accord. Ouais, être en train de d'accord. Être en train d'accord. Ouais, d'accord. C'est être en train de. Depuis ing, c'est être en train de. Okay, agreeing. Kouni a la classe. Si on demande pour conjuguer verbe ça au passé simple. M'a dit I agreed, you agreed. Tout pronom net a placé ça a placé derrière tout pronom yo en anglais. I agreed, you agreed, he agreed, ouais, she agreed, we agreed, they agreed. Là le conjugué au passé simple, OK? Pour la classe, si on t'a demandé pour me conjuguer au passé composé, OK? Passé composé li a accompagné avec l'auxiliaire avoir. Laisse ça m'a dit I have agreed. Ouais, moi dit I have agreed. I have agreed. Mais nous pas qu'on a passé composé a, on était là deux temps nous prend, OK? On était là deux temps n'a parlé en classe, si c'est passé simple et puis présent continu en anglais. OK, ouais pour être d'accord ou bien se mettre d'accord. Oui. And allow. Allow c'est permettre.
Permettez-moi de faire telle ou telle chose. Allow me. Allow, ok? Allow. Allow me, please. Allow me, ok? Let me allow me. Laissez-moi en présent, dit hello. Immédiatement, je passe la classe. Il y a vu bon moi. Hello, like this. Ok? Ça s'est passé. Le, ça s'est passé du verbe permettre, ok? Permettre, qui c'est allow. Ça s'est passé, ok? Oh, yesterday, my teacher. Ouais, yesterday. Yeah. Yesterday, my teacher, professeur, no, allowed me to go out. Okay? Well, yesterday, for example, let me show you class. Yesterday. Yesterday. Well, yesterday. Si m'ge yesterday la class, qui c'est hier, ok, ça veut dire là, on va l'utiliser passé simple, moins, ok? Yesterday, my teacher, for example, my teacher, allowed me, ouais, allowed me to go out, ouais? Dit hier, professeur, te permettre moi sortir, ok? Oh, yesterday, you allowed me to go out, ouais, class? You allowed me to go out. Ou te permettre moi sortir. Allowed. Laissez-moi utiliser au passé. Ok? Utiliser au passé parce que son action qui fait dans le passé qui te termine. C'est depuis hier te permettre moi sortir. Et pas aujourd'hui. Alright, class? Ok? You understand the part? Ou comprenez partie ça pour allowed qui c'est permettre. Ça c'est passé simple. Et aussi le participe passé. Ok? Kounye a class, si ma conjugue au présent continu. Ou connaît déjà pour conjuguer un verbe au présent continu qui sont besoin? Besoin be plus verbe là plus ing. Ok? Ça c'est pour conjuguer un verbe au présent continu. L'aime parler de présent continu, nous parler de une action qui a fait moment même que n'a parlé. Ok? Ça veut dire si m'y est à l'ordre là, je m'en demande pour conjuguer au présent continu. Qui ça m'a fait clair? Si m'a point pour nous, qui c'est subject là? M'a dit I am allowing. Ok? Well, like this. Hein? C'est qui ça? C'est I plus verbe to be qui conjugue au présent. I am. Plus allow qui c'est verbe là qui là. Et puis plus ing. Ok? I am allowing. You are allowing. Ok? He is, etc. Ok? Ça c'est verbe là. Là, m'a dit au passé. Pour m'parler de un bagage qui t'est passé. Là, m'a dit au présent continu. Pour m'parler de une action qui a fait pendant même ma parler. Ok, Glass? C'est le verbe permettre. Ok, good. Now, let's talk about have. On parle de have. Pour qu'on have, avec be en anglais, c'est deux gros boutons de verbe qui permettent de faire un paquet de bagay en anglais. Ok, class? Pour qu'on un verbe qui conjugue dans le temps passé, qui conjugue dans le temps composé, qui conjugue avec l'auxiliaire avoir ou auxiliaire être. Ok, class? Ok, on va tirer ça là, on va regarder, class? Kounya nou gen have, have. Il faut pas oublier class, m di lèm gen have, have. Li signifie avoir, OK? Ouais, have la qui signifie avoir, mais faut pas oublier class, lorsque avoir conjugué au temps simple de l'indicatif, m pa ka utiliser même avoir pour me faire question. OK class, faut pas oublier ça. Si m di I have a child. Ok, I have a child, qui signifie moi gagne un petit monde. I have a child. Si vous posez une question là pour moi, est-ce que moi gagne un petit monde, ou pas qu'a dit have you a child. Ok, class, ou pas qu'a dit have you a child, parce que dans temps simple, ou pas utiliser pour faire question, mais plutôt on utiliser do pour faire question. On va dire do you have a child? Ouais, class, on va dire do you have a child? Faut pas oublier ça hein. Kounya nou di class, qui passé simple verbe had, have, passé simple c'est had, like, c'est had. OK? C'est had passé simple et puis même had ça, li participe passé. OK? I had a motorcycle last year. Ndi l'année dernière, m'te gen yon moto. Ndi I had a motorcycle, ouais? Hein? Moto a été écrit, je l'ai, ok? I had a motorcycle, j'avais, ok? Kounya devant had ça, m'a mette tout l'autre pronom net qui a bon verbe avoir qui conjugué au passé.
Mais qui passé c'est, ok, sur la classe. I had a book, you had a book, ok, she had a book, alright, we had, they had, ok, wear glass, very easy. Même had ça ouais la classe, c'est lui même aussi qui participe passé verbe avoir, ok. Ça veut dire l'emploi utilise participe passé à ça le bras bon moins glace il parle bon moins verbe avoir qui pourra le conjuguer avec auxiliaire avoir encore. Ça veut dire moi le la classe I have had, ouais, I have had qui signifie j'ai eu. Ouais, qui signifie j'ai eu en français. Ok, Gléa, ça signifie j'ai eu en français. Ouais, I have had. Même verbe avoir, parce que participe passé verbe avoir, c'est had. I have had, qui c'est j'ai eu. Ok? Kounya, Gléa, si on m'a demandé de même verbe avoir ça, au présent continu, en anglais, au présent continu, Gléa, libre album, I am having. Ok, il dit moi I am having. Et ça faut réglas, les you moon ou commande you moon. Est-ce que l'a passé une bonne journée là? Moi pendant m'a parler avant là même. Est-ce qu'on passe une bonne journée? Me dit are you having a good day? Ok, bon m'écrit pour class. Are you having a good day? Ouais. Waiting for me class. Are you having a good day? Ouais, même m'utiliser qui ça? M'utiliser présent continu du verbe avoir. Dit are you having? Are you having a good day? Ouais, glace. Là me dit are you having a good day? Mando, est-ce que on passer une bonne journée pendant m'a parler avant là, hein? Oh yes, yes, I'm having a very good day. Dis oui, ma passion très bonne journée, ouais. Hein? M'a dit au même verbe avoir sa classe, dans présent continu encore, dans présent continu en classe. M'a demandé au monde, est-ce qu'elle t'a passé une bonne soirée? Dis are you having a good night? C'est ça là, hein? Are you having a good night? C'est ça là, hein, classe? Are you having a good night? Where? Are you having a good day? Get good day là? Are you having a good day? M'di, est-ce qu'on passe une bonne journée là, hein? Hein? Reform? Are you having a good day? Hein? Et puis, maintenant, est-ce qu'on passe une bonne nuit tout? M'di, are you having a good night? Where? Are you having a good night? Okay, class? Are you having a good night? On a les très bien, moi peut-être qu'ici là, ok. Sharon dit que Cédric aussi, hein? My brother too. Samuel, bienvenue. Marc, Henry Alcide, hein? On nous partage, non? Chaque grand monde, ben, on trois partages, hein? On dégage, nous nous faisons pour une cinquantaine. Are you having a good day? Are you having a good night? Ok, class? It is very easy. Parce que tu as compris, Tipati have là, qui est très facile, class. Ouais, comment vous demandez, est-ce que vous passez une très bonne journée en anglais? Ok, now let's talk about B. B, class. B, lui-même, B, pas la question. Elle est le présent, elle est le présent. Elle n'est pas auxiliaire, elle n'est pas besoin l'autre aide, etc. B signifie être, c'est vrai. Mais B, lui était un verbe auxiliaire. Si B, la classe, me dit I am a teacher. I am a priest. Ouais. Dis par exemple, I am a priest. I am a teacher. I am. C'est que là, on a fait avec verbe to be. Ok? Le verbe to be là, qui conjugué au présent. Ok? Quand on dit, qui passe verbe to be, class? Passe verbe to be, c'est was. Was ou bien were. Ok? C'est was avec were. C'est was avec where. Qui pour qui ça me dit was class? Dans première personne, on me dit I was, qui s'est passé à j'étais, ok? I was, là moi vient en deuxième nom qui c'est you, me dit you were. Là moi vient en he, she, it,
m'utiliser was encore. OK? Après ça, l'aime non, oui, me dit where. We were, they were. C'est nous là, hein? L'aime venir en troisième personne dans lui was, dans première lui was. OK? Mais classe, si m'a parlé de if, par exemple en condition en anglais, si me dit if, m'a besoin de dire if I was, mais me dit if I were. Ça sont principes qui permettent de me faire en anglais, OK? If I were, hein, au bout de chanson, oui. If I were a boy. Qu'est-ce qui chante en Beyoncé? If I were. Les mêmes conjugués verbes là sans if comme ça, me dit I was, you were, ouais, j'étais, tu étais, etc., il était, OK? Pour le passé. Kuna simi la m'di if, m'ga di if I were. If I were, sans problème, ok? Pour présent, et même j'en ai présent classe, présent c'est am, et puis are. Et puis is. Ok? Pour présent, tout bi prend trois formes. Ok? Pour présent, il prend trois formes classe. Hein? Pour présent, il prend trois formes. Qui première forme, il prend classe, c'est am. Deuxième forme, il prend c'est are. Troisième forme, c'est is. Ok? Là, je vais gagner le présent. Alright? Je dis, I am, you are, he, she is. Ouais? You are, et puis I am. Ouais, verbe là déjà conjugué là. Là, il y a trois formes qui c'est am, are et is. Là, il y a deux formes qui c'est where, was, et puis where pour le passé. Ok? Good. On continue avec do. Le verbe do. Eh bien, on nous partage mes amis, on nous quitte question cinquantaine maintenant hein, pour nous franchir. Hein. On avance, classe, on avance, ok? Je dis pour moi, je vais tout bien au présent, besoin de trois petites formes qui c'est am, are et puis is. I am, you are, he is, ok? She is, et puis we are, they are. Very easy. Là, pour je vais le passé, je dis I was, ok? I, where, I was, you were, he was, she was, it was. We were, they were. Ça c'est l'homme à conjuguer au passé. Ok, Gléas? Kounia, Gléas? Si m'binatou, m'ka genye verbe, m'ka genye verbe ça, Gléas, participe passé to be. Là, m'genye présent, m'genye qui ça? M'genye passé simple là. Et bien, participe passé à qui c'est been. Ok, participe passé à qui c'est been. Been, participe passé à qui c'est been, qui écrit comme ça. Si m'am dit, par exemple, j'ai été, ok, tu as été, qui ça m'a fait classe? Pour me conjuguer verbe moins au passé composé, qui ça a dit classe? Besoin présence de have, c'est sujet, subject là, plus have, plus verbe là au participe passé, ouais? Kounya, pour me conjuguer verbe to be au passé composé, dit I, qui c'est sujet, have, qui c'est auxiliaire là, plus participe passé verbe to be, et puis me dit been, ouais? I have been, I have been, ok, Gléas, you see? I have been, you have been, he, les mots venant he, il n'y a pas has, have encore la has, he has been, she has been, ok, you understand? Ça c'est les mots conjugués verbe to be, au passé composé. Mais vous n'avez pas si vous demandez pour présent continu, abonnez-vous, bin, bin, like this, alright? Good. On nous prend le verbe do, kounia, on nous prend le verbe to do, ok? Pas oublier gagner do comme verbe, et gagner aussi do comme auxiliaire, ok, Gléas? Pas oublier, il y a do étant verbe et do étant auxiliaire. Pas oublier gagner do comme verbe et do auxiliaire. Hein? Pour ça, il faut tirer tout petit dans le doigt. On va tirer ça, hein? Ok, Gléas? Pour conjuguer le verbe tout doux au présent, Gléas, il paraît comme ça. Je dis par exemple, infinitif qui c'est tout doux, qui là, tout doux, comme verbe. L'emvingé pour conjuguer le kounia qui s'appelle le bambouin, il paraît pas être sous trois formes, Gléas. Il paraît pas être sous forme doux. Il paraît pas être sous forme days. Ah, pour conjuguer là. Et puis il pourrait apparaître sous forme did. OK? Même trois moun sa yo classe qui c'est verbe, les map conjugué là qui c'est verbe, même trois moun sa yo aussi, yo c'est auxiliaire en anglais. Qui ça auxiliaire en fait classe? Auxiliaire l'en permet moi faire question dans une phrase qui gagne un verbe ordinaire.
T'as couvert ça, yo. Est-ce que là, hein? Pour me faire question avec, dans une phrase moi qui commence avec verbe ça, yo. Et puis, ma besoin présence de do, days ou bien did pour me faire question, hein? Ou bien pour me voir à la forme négative. Laisse moi bral dit do plus not. Days plus not. Did plus not. Pour forme négative, ok? Mais l'aime bien yon do comme verbe. M'pas qu'à venir là pour mettre not. L'aime bien yon do comme verbe. Là, m'a parlé de do comme verbe, ok? Pour me conjuguer li au présent classe, m'a dit I do. You do. He days. Est-ce que nous là, hein? He days, ça c'est pour présent. We do. They do. Ok? Là, m'a conjugué li au présent. Ouais? Qui ça vient pas là? Ni do ça ou qui auxiliaire là? C'est même do ça qui là, non, verbe faire. Même day ça, c'est lui qui vient dans troisième personne. Pas oublier troisième personne, yo, c'est he, she, c'est she et puis it. Ouais? C'est she, it et puis he qui c'est troisième personne. Ouais? Là, m'a conjugué me dit je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, etc. Ok? Là, m'a gagné li au présent. Kounya class, si on m'a dit conjugué li imparfait qui s'est passé par exemple, ok? Kounya qui s'est pris le bon class, passé de do comme verbe ici, c'est did, ok? Passé c'est did. Ça veut dire si m'a dit je faisais, moi te fais, m'a dit I did. Ouais? I did. You did. He did. Ouais? He did, etc. Laissez-moi rapport avec. Laissez-moi rapport avec verbe. Verbe to do. Qui conjugué là au passé simple. I did my homework. Ouais, je fais mon devoir. I do my homework. I do my homework. Je fais mon devoir. Je dis today, par exemple, class. Je dis today. Ouais, je dis today qui c'est aujourd'hui. Today I do laundry. Mon bon une qui pipiti. Ouais, today I do laundry. Let me do today I do laundry. Ça veut dire jodi a moi fais lessive. Nous connais lessive, l'eau laver, radou etc. On dit today I do laundry. On dit jodi a moi fais lessive, ouais. Today I do, c'est que moi dans présent, hein. Kouna si m'a dit jodi a li fait lessive. Li ça, li pral représenter par qui ça par she ou bien he, OK? L'aime dit she, m'a parlé de fille. L'aime dit he, m'a parlé de garçon. Kouna si m'a dit par exemple ce ou yon fille qui fait lessive là. M'a dit li fait lessive jodi a. Et bien m'a dit she does laundry today. Ouais? Today she does laundry. Est-ce que nous l'avons anglais? Today, she does laundry. Di jodia, li fè lessive. Est-ce que nous today, she does laundry. C'est que là, m'gaye verbe to do qui conjugué au présent. Kouna, lèm non passé ça, li vin bon did pour tout pronom personnel yonet. I did, you did, he did, we did, they did pour le passé. Kounya class, même de dit ça qui c'est verbe ça qui conjugué là, ouais. Kounya si men na class, m'di you did, for example, you did your homework, homework qui c'est devoir de maison par exemple, you did your homework. Kounya m'di qui ça là, m'di ou t'es fait devoir maison ou t'es gagné, ouais. You did your homework. Ou te fel. Parce que did c'est passé. Ou te fel. Est-ce que là? Kounya, si m'a posé une question, m'a demandé est-ce que ou te fel? Hein? Est-ce que ou te fel? Même did ça ou est qui te verbe là? Au passé, hein? C'est le did ça kounya m'a pral utilisé comme auxiliaire. Est-ce que nous là? Hein? Did ça là, c'est verbe là. Puisque verbe là là conjugué au passé. Pour me faire une question au passé, m'a utiliser did auxiliaire. Est-ce que là, il pas dit verbe ça là non? Est-ce que là? Là m'gain did là qui c'est verbe. Kounya pour me faire une question là, plus que verbe moi conjugué au passé,
m'pral utiliser did comme auxiliaire. Et qui ça dit class? Depuis que utiliser youn nan trois auxiliaires ça en anglais, verbe la pral libérer, la vin rete infinitif sans tout. L'aime de gen verbe la qui ça verbe la te, c'était tout doux. C'est que l'aime fin utiliser youn auxiliaire ça tout a sorti devant. Koudan m'pral dit, est-ce que ou t'es fait devoir? Devoir de maison là hier. Kouna qui ça m'a dit class? Did you? Ouais, par exemple, did you? M'a pas gagné did encore pour qui ça? Parce que did ça est un team que verbe maintenir là qui conjugué là, c'était verbe faire qui était conjugué au passé simple. C'est que là m'a pas gagné did encore, m'a le vinité un infinitif sans tout. Là vin bon, did you do? Ouais, did you do your homework? Est-ce que ou t'es fait devoir? Est-ce que la glace? Est-ce que ou t'es fait? Hein? Il faut différencier verbe faire et aussi auxiliaire do, does et did. L'else auxiliaire, qui ça le fait classe? Li edem fait question dans phrase là ou bien li edem voye phrase là à la forme négative. L'elle à la forme négative, la vin bom do plus not, hein? Plus not comme ça. L'elle à la forme négative. L'elle question, la bom do, does, did comme ça, hein? Laisse troisième personne gagner par exemple là tant coup la glace on dit par exemple là he days qu'on a là le conjugué affirmatif si m'a font question là dans he days il va le bon moi qui ça days he plus que days que tant dit verbe femme nom de gain là qui conjugué troisième personne il va le rester infinitif sans tout la vin bon days he do est-ce que li fait OK bon ça comprendre. Pour la glace, je dis qui participe passé. Participe passé, verbe to do. Participe passé, verbe to do, c'est done. Ok, c'est done. Ouais. Participe passé, verbe to do, c'est done. Ouais, c'est done. Qui se fait comme ça, hein? Done, c'est participe passé. Kouna pour me dire, je l'ai fait. Par exemple, dit moins fait, hein? Pour me dire, je l'ai fait. Je vais utiliser qui ça? Auxiliaire avoir. Plus participe passé verbe to do. Kouna ki sa mbral di kreas? I have done. Ouais, I have done qui signifie j'ai fait. J ça c'est j'ai apostrophe a i. J'ai fait, ouais? J'ai fait, I have done. You have done. Le mwen ven nan he, li pral ban mwen he has done. Ouais? Li ban mwen he has done. OK, it is very easy, c'est facile. Kouna class, si yo di pou m'bojige même verbe tout doux ça au présent continu, hein? Par exemple, pou m'di, je suis en train de faire mon devoir. I am doing my homework. Ouais, je suis en train de faire mon devoir. M'a fait devoir pendant même m'a parlé avec ou là. Laisse ça, qui ça m'bral besoin class? M'bral besoin présence. Pou m'bojige verbe bon au présent continu, c'est to be qui a conjugué au présent. Plus verbe là, moi gagne, plus ing, je me saute montrer le talent là, ok? C'est que qui ça m'a gagné la classe, pour me gagner présent continu, m'a gagné qui ça présent continu, PR, présent continu, c'est que m'a gagné I am doing, est-ce que là? I am doing, you are doing, he is. Doing, etc. Et c'est nous la classe. I am doing my homework. Je suis en train de faire mon devoir. I am doing my assignment. Je suis en train de faire mon devoir de classe. Et c'est nous la classe. I am doing laundry. Je suis en train de laver mes vêtements. Hein? Ok, m'a fait lessive. Ouais. I am doing. Doing, ça veut dire, c'est être en train de faire. Ouais, être en train de faire. I am doing. Comme si mon adieu, what are you doing? What are you? Ouais, Gléas, l'idée, what are you doing like this? Qu'est-ce que t'as haciendo? Hein? What are you doing? What are you doing? Ouais, what are you doing? Qu'est-ce que tu as là? Hein? Tu es en train de faire quoi? Qu'est-ce que tu as fait là? What are you doing? Qu'est-ce que tu as fait là? Hein? Si c'est télévision, m'a regardé, qu'est-ce que m'a dit? I am watching TV. I am watching TV. Est-ce que nous là, hein?
Si c'est manger, m'a mangé, ça m'a dit glace. Là, dis-moi, what are you doing? M'a just dit, I am eating. Est-ce que là, glace? I am eating. Si c'est devoir m'a fait, je me dis, what are you doing? I am doing my homework. What are you doing? I am studying. Ouais, studying. Very easy. On allait venir rapidement pour le verbe go, go, qui est le verbe aller. Ok, glace? Go qui c'est verbe aller, hein? Tout le monde connaît verbe ça. I go, go c'est le même conjugué au présent. Qu'on a passé le classe c'est went. Went c'est pour passer li, passer simple, ok? Par exemple, as, dit I go to church today. Dit moi aller l'église aujourd'hui. La Sunday, par exemple. L'aime dit la Sunday glass. Si me dit la signifie dernier, hein, passé. Ça veut dire date la passé. Me dit la Sunday I went. That's all right. La Sunday I went. Today I go. Ouais. Today I go. L'aime dit today, me dit aujourd'hui. Ouais. Today I go. Yesterday I went. Ouais, I went qui s'est passé verbe aller. Ouais. Dimanche passé, m'étais allé à l'église, ouais. M'dit last Sunday I went to church. M'étais allé à l'église. Est-ce que là en classe? Qu'on a dit participe passé verbe go, c'est gone. OK, participe passé go, c'est gone. C'est gone classe qui écrit comme ça, hein. OK, qui écrit comme ça, hein. Passé assez. Passé simple, c'est went. Bon exemple, di today I go to school today. Yesterday I went. I went to school. Est-ce que là? Kuna si m'genye last Sunday I went. I went. Puisque m'genye verbe to go qui conjugué au passé simple, kuna pour m'fon question dans phrase ça, m'a besoin présence de did comme auxiliaire. Parce que verbe là au passé. Est-ce que là, glace? Pour le passé simple, m'a utiliser auxiliaire did. Ouais, bien facile, hein. Gone. Qu'on a pour me dire j'ai allé qui s'est passé composé. Ou qu'on est passé composé, on te dit déjà, c'est qui ça me besoin c'est have plus verbe là au participe passé. Plus que c'est have plus verbe là au participe passé, pour me gagner verbe là qui conjugué au passé composé qu'on a, on va gagner participe passé verbe là qui pour me dire I have gone. I have gone. J'ai allé. That's what I class. I have gone. You have gone. He has gone. Kounya class. Pour m'gagner présent continu verbe là. Pour m'gagner présent continu en class. Pour qu'on ait pour conjuguer verbe là au présent continu. Qui ça me besoin? Besoin verbe to be qui a conjugué au présent plus verbe là plus ing. C'est que pour m'gagner verbe to go qui conjugué au présent continu, m'a gagné, on dit présent continu comme ça, m'a gagné I am going. Ouais, I am going, you are going, he is going. Ouais, bien facile, hein. Laisse m'a gagné présent continu qui c'est être en train d'aller, ouais, hein? I am going to school. Ce qui ça m'a fait là? Elle dit pendant mon parler assez dans route moi j'aime aller l'école là, ouais. I am going to church. Pendant mon parler assez dans route moi j'aime aller l'église là. You are going to the supermarket. Ouais, pendant mon parler avant là, c'est dans route moi j'aime aller dans market là, m'aller acheter. Est-ce là, hein? He is going to, hein? He is going to church. He is going to laundromat. He is going to cook. Avec dit pendant ma parler, mais qui action la fait? Ok, glass? Very easy. Ok, c'est dit chaque jour, bro. Ça veut dire ou pas abonner avec basically notification. Exact. Faut like pour qu'a joindre notification. Très bien. Hein? Ça passe. On partage non? Hein? Tonight you are not late. In a list, you are mon frère. On nous partage non, ça crive, pas nous pas arriver non 60 ans. On nous partage. On nous prend pour nous à kin. OK, on va éliminer ça.
Parce que tu vois comment utiliser goa, hein? Going, présent continu, ok? Pour passer à qui c'est went. Participe passé à qui c'est gain. Présent continu qui c'est going. Ok, Gléas? Kounya, on nous prend kin. Kin n'a pas étalé sous lui parce que faut me faire quoi pour vous qui parlait de model verbs. Ok, model verbs qui c'est kin, may, most. M'a détaillé trois verbes ça pour vous, montre comment vous utilisez sans aucun problème, hein? Bien facile, hein? On dit kin. Ken ni même yon verb sa yon verb ki grand moun. Eso la, verb ki grand moun. Par exemple, si m di, I go to work. I go to work. Ouais? I go to work. Yon di, les deux verbes sa yon suiv. Avant deuxième verb la, m'ap genye tout comme préposition. Et même je le dis en français, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Qui pas réel, vrai? Qui pas vérité? I go to work. I go to work. Ouais. Là, me dit I go to. Pour ça, parce que aller par un verbe qui grand moun tête li. Li dit pour mettre un autre verbe de M là, faut mettre tout. C'est cela. I go to work. Ouais. Kuna can, qui c'est verbe pouvoir. Si me dit I can, m'a ka dit I can too. Baka di I can to work. Et cela, baka di I can to work parce que can c'est un verbe qui grand moun, li grand moun tête li. Li pas accepter moun mette tout ni derrière ni devant. Li dit qu'il est libre, l'on conjugue. L'on conjugue qu'il est libre. I can. Ouais, I can. Baka di tout même dit I can work. Je peux travailler. Ouais. I can work. I can study. Je peux étudier. Ouais? I can study. I can play. Je peux jouer. Ouais? I can play. Ouais? I can cook. Je peux cuisiner sans tout. I can play. Je peux jouer. I can study. Étudier. I can work. Je peux travailler. I can cook, je peux cuisiner. Ouais, sans tout. Mais qu'on a, depuis qu'on va utiliser l'autre verbe ça, là, faut mettre tout après. Ouais, faut mettre tout avant de mettre le deuxième verbe là. Mais pour kin, non. J'aime dire là, nous avons basé sous lui. Qu'on a dit qui passe kin? Passe le c'est could. Ok, could qui c'est pouvait. Ok, I could do it yesterday. I could not. Si m di I could not do it. Ouè m baka di I could not to do. No. I could not do it. Je ne pouvais pas le faire. Ouè. I could not do it. Je ne pouvais pas le faire. Ça veut dire, mwen pat kapab fel. Ouè. I could not do it. Kounan m ap di, mwen kapab fel. M ap di, I can do it. I can do it. Je peux le faire. I can do it. Mwen ka fèl, ouais. I could not do it. Je ne pouvais pas le faire. Ouais, mwen pa kapab, mwen pa te kapab fèl, ouais. Mwen pa te kapab fèl. I couldn't do it. OK? Mwen fè ti etude la pou ou, li kanpe la li menm parce que son verbe ki autonome ki gran moun. Mwen va fè etude ki may must avèl. Et puis, vous allez voir comment yo marche bien à l'aise. Je vais vous présenter, puis passez le campé là. Ok, Gléas? On allez. Say. Say qui est le verbe dire. So, j'aime te dire comment utiliser they and tell. Tell aussi, c'est le verbe dire dans le sens de raconter. Ok? Say, c'est le verbe dire. Dire quelque chose à quelqu'un. Mais tell, c'est dire dans le sens de raconter quelque chose à quelqu'un. Ok, Gléas? On allez là. Say. Let me nam di say, qui se dire. Passé à se said. Participe passé encore se said. Ok, said. Said qui est le participe passé. Hein? Si m di, I say something to John. Ouais. I di m di John yon bagay. I say. Ouais. Today, I say something to John. Ouais. Je di am di yon bagay a John. Kouna m'ap di, yeah, mwen te di yon bagay a John. Et puis m'ap di, yesterday I said. Ouais. Yesterday I said. Hein? Lè sa m'di li ke li au passé. Ouais.
li au passé. I said. Ouais, au passé. Kounya glas. Si besoin participe passé, c'est très facile. Pour participe passé, m'a dit I have said. I have said. Ouais, pour participe passé. Participe passé. Kounya si besoin présent continu, ou qu'on est participe passé là, c'est verbe là qui accompagne de auxiliaire à voix. Kounya si besoin présent continu, la direction continue, m'a dit I am saying. You are saying, est en train de dire. Ouais. He is saying. You are saying. Ok. We are saying. They are saying in English. It is very easy. Très facile pour utiliser le verbe said, qui c'est passé, et aussi participe passé du verbe to say en anglais. On a le rapide bonheur. Non, get. Ok, get. Get qui c'est obtenir. Get rapidement Cléas. C'est get obtenir. Passé li c'est get. Puis participe passé li c'est garden. Garden like this. Ok? Qui c'est obtenir. I get money in my pocket. I get a book. I get a phone. Ouais? Elle dit moins gagné, moins possédé, ok? Get. Mais si c'est hier, l'année dernière, l'année passée, je suppose utiliser passé, hein? Qui c'est get? Qui c'est get? Ok? Si vous n'avez classe, utilisez passé composé, hein? Qui c'est une action qui t'est commencé, par exemple, depuis hier, qui continue ou bien qui pas terminé vraiment, laissez-moi utiliser passé composé, hein? Là, je ne vais pas parler de lui parce que je n'ai pas été dans le verbe ça seulement. Je dis I have garden. Ouais, j'ai obtenu. Pour la glace, si je veux participer à celle, je dis I am. Je dis participer à celle. Si je veux conjuguer au présent continu, je dis I am getting. Ouais. T'es à doubler et parce que gon règle qui dit ça, ok? L'em gen yon consonne et puis yon voyelle la mitan, ok? Par une continuité, elle dit pour ajouter l'autre baye là, consonne à doubler. So, règle, n'a pas règle ça, hein? N'a pas règle, hein? Kounya la mini class, on dit, I am getting, you are getting, elle présent, hein? Présent continu, hein? You are, he is getting, etc. Ok? Tout moun trop passé verbe à l'aise. Pour pas de problème, pour parler de passé, pour pas parler seulement de présent. On a les glaces. Now, we have wood. Wood. On faut toucher wood tout petit. Mais on connaît wood. Il y a un mot tout. Wood. Nous utilisons wood, c'est pour nous parler de conditionnel. Conditionnel, ok? I would like. Ouais, j'aimerais. I would call you. Hein? Ça veut dire m'tare Léo, ouais. M'tare Léo, m'tare me well, m'tare me parler wood, ouais. I would. Ou toujours donner à dire I would like. Qui c'est j'aimerais. Elle dit l'inconditionnel, ouais. M'dit m'tare me cuit, m'dit I would cook, conditionnel. I would cook. M'tare me jouer. I would play. Est-ce que la règle est? Ça veut dire would là, li indique conditionnel. Conditionnel, ok? Good. Make. Nous te parlons de make. Make, qui c'est verbe faire, mais c'est faire dans le sens de fabriquer. Parce qu'il y a une différence entre do, qui c'est verbe faire, et aussi make, qui c'est verbe faire. Mais make a le sens de fabriquer. Bon, bon exemple, par exemple. Me dit, I do my homework. I do exercises. I do exercises. I do. Exercice, j'en ai écrit, hein? Exercises. I do exercises. Je dis, me fais exercice. C'est ça, hein? Me dit, je fais des exercices. I do exercises.
m'a fait mouvement, mais c'est pas moi qui fabrique. Et c'est la glace. Ouais, ça se fabrique, mais, on a par exemple, si m'a dit glace, moi fais un jus, ok? Tenez bien, moi fais un jus, pour me faire jus à la glace, I buy orange, par exemple, un jus orange, ouais? Un jus orange, citron, me dit I buy orange, I buy sugar, m'acheter sucre. I buy lemon, m'acheter citron. Combien bagay m'ai tendu la glace? M'ai tendu 3 bagay là pour me faire jus. Et selon là, hein? M'dit pour me faire jus ça, moi gagne 3 bagay. Qui ça me vient faire? Moi prend 3 bagay ça, on mette yo ensemble et puis le vide moi yon seul. Les ça c'est moi qui fait li, qui créer jus, même qui fait jus, m'a dit make juice. Et selon là, hein, glace? Est-ce là, hein? Hein? Qui ça fait ces make m'utiliser? Parce que m'utiliser un ensemble de bagailles pour me faire ça qui vient dans mon jia. Est-ce là, hein, glace? Est-ce là, hein? Do laundry, faire le sieve. M'bran rad moi, m'lave yo. Mais est-ce que moi qui fabrique? Est-ce que moi qui crée? Non. M'dit, l'aime prend plusieurs bagailles, m'crée, m'vin faire un seul avec. Laisse m'baler de make. M'gim pas plus de détails. Sous lui même, trust moto. Qui ça fait? Do signifie faire. Make signifie faire aussi, mais make là c'est faire dans le sens de fabriquer. Gardez vous elle acheter un bagage par exemple qui sorti dans un pays. Qui ça écrit sous lui? Il dit bagage ça made dans tel pays. Made, ouais. Par exemple, ou quand il dit made in China. Par exemple, il dit made in China. Made. Là utiliser made là, il utiliser le passé du verbe make, ouais. Il utilise passé verbe make. Ouais, il dit made. Passé à c'est made. Participe passé à c'est made. Ouais, il dit made in China. Made in China. Made in USA. Fait aux États-Unis. Ça veut dire qui côté il était fabriqué? Côté il était fabriqué là c'est en Chine. Côté il était fabriqué là c'est États-Unis. Il mettait made. Est-ce que là en classe? Very easy, hein? Montre un petit coup de bagaille, mais l'ilon oui, made in do. L'ilon grand pile. Et puis le gros paquet d'expression qui tout marche avec, yo, made in do. Alright? C'est un petit exemple pour make in do. Ok? Même dit I make. Même bon make. M'di do exercises, make juice, etc. Ok, glass? Make, c'est le verbe faire dans le sens de fabriquer. Hein? Fabriquer. Good. Now, let's talk about no. No. Tout le monde connaît no. No to know. I know what you are talking about. M'kouni de ki sa wa pale ya. I know, par exemple, ouais. M'di, I know what you are talking about. M'di, I know what you are talking about. Sa m'di la. M'di, m'kouni de ki sa wa pale ya. Hein? Ça veut dire sans parler, c'est pas me connaît. Chaque monde, yon là, yon cher, hein. Tiens, Gabi, bienvenue. Baud de Jean-Philippe, bienvenue. Ouais, il tout paraît, il tout partage, hein. Gabi Augustin, bienvenue. Mackinson George, hein. Qu'est-ce qu'il y a pour nous parler, hein? Fritz, my friend, Valcour, a fait Pam, hein, qui toujours a demandé partager, hein. Dickens aussi, hein. Mackinson George, bien passé là, hein, pas. Qu'on a en anglais. Exact. Moi, je regrette pas de la commencement seulement. Hein? Yeah, have you done it? Très bien. Have you done it? Hein? Avez-vous déjà fait? Hein? L'avez-vous déjà fait? Est-ce qu'on fait déjà? Hein? Très bien. Très bien, très bien. Mande serviette. Yeah, thank you. No, I got it. I got it, my friend. You see? I got it. Me and Jackie. I get it. Thank you very much. All right, good. Well, I know what you are talking about. Ça veut dire ça va parler à m'connel. I know. Ouais. Kouna si m'a dit, m'te connais de qui ça va parler à. Hein? Kouna m'a le là, I knew. Parce que participe passé à, c'est knew. Verbe là, c'est to know. Passé à, c'est knew. Ouais, passé à, c'est knew. Ça veut dire pour me parler dans le passé. Ouais, passé à c'est nul. Hein? Ou si par exemple, on va parler là, on dit, est-elle mourue?
I knew. It's all right. I knew the person you were talking about. I knew. I know. Ouais, parce que je sais. Hein? Kounala m'a dit I knew. Ouais, Gléas. I knew. Ça veut dire, hein? Je savais. M'te konne, I knew. Kounala Gléas, participe passé. Ça s'est passé simple. Hein? Participe passé, c'est noun. C'est noun like this. N ça est, Gléas. Bon, écrit, ok. N, ouais. Noun, ouais. Noun. Ça, c'est participe passé. On a pour me conjuguer le participe au passé composé. Je vais mettre I have devant. Ouais. I have noun. Ouais. M'a dit, où te connais déjà, hein? Où te connais déjà? Je dis, you have already noun it. Wegleas, you have already known it. Ou te connais déjà, ouais? Ou te connais déjà, hein? Ou te connais déjà, hein? C'est ça là. Ça veut dire son monde ou te getan ouais auparavant qui là m'a présenté au lien encore dit me te connais déjà. Ça dit non seulement te connais déjà au passé, action elle continue dans le présent, ouais? C'est ça là, Wegleas. You have already known it, hein? You have already known. Ndi, par exemple, na, si c'est une fille, ou te connais déjà, ndi, you have already known her. Ouais. You have already known her. You have already known her. Ouais. Kounya la, si blan a parlé rapide, ouais, li ka fè yon bagay la ki ele, delete H, ki se yon grammaire en anglais, ki permet me fè réduction, le blan parlé pou m'katande. Il dit, you have already, ouais la, mwa li l'bi doucement pou. You have already known her. Kounya, si blan parle Gléas, pou pa tande, li pral fè yon bagay la ki yele diledech, li pral fè vèm bien la yon H ki aspire, ndi her, se ke H la aspire, gen yon règle, yon principe en anglais, li pa tout moun ki konnen non, ki permet mwen fè sa yele Gléas, moi qui permet moi rendre yon h qui aspire mieux pour me rendre li mieux il faut qu'il y ait la possibilité de faire ce qu'on appelle liaison. Est-ce que vous avez clair? Kounya me dit you have already known her. Hein? Kounya blanc parle pas attendez. You have already known her. Kounya quand dit you have already known her ou attendez. You have already known her. Ouais. You have already known her. Li fè ça, li ren H ki te aspire sa mye pou l ka fè liaison. Est-ce que la Gléas? Gade bet kap, gade bon bet kap tombe, mesi. Ouais, ti Richard Batman, Fit Junior Val Goubet Batman. Ça, ce sont des techniques. Ti monsieur, nan groupe la, nan vjoun technique sa, ouais, tande? Nan vjoun bel ti technique nan groupe yon, nan pose nou. Ok? Fè nou ti fè ti exercice. Nan groupe la, nan vjoun bel ti va, ouais. Koto ka ren nou H ki aspire mye. Mais il faut qu'il y ait la possibilité, il faut qu'il y ait possibilité pour faire liaison. Ouais, noun. On dit noun, hein. Kounya ou même qui est habitué, ou tande noun, hein, il permet de pas comprendre. Mais il dit noun, you have already noun, OK? Les blancs parlent, c'est ça qui t'empêche de comprendre. Très bien, parce que moi en pile mon a suivre et puis besoin chaque monde qui ont cher bon tête li. OK, Gléas. OK? Ou gétan ouais, verb to know en anglais. On a le prendre le très rapide. L'autre, je ne vais pas prendre trop de temps là. Dans Gléas, will. Vous connaissez will déjà indiqué futur. Hein? L'en parler de will, c'est futur. C'est l'im de faire hier. Think, qui a le verbe penser, ok? I think she is a beautiful girl. Hein? Bon, c'est une belle fille. Hein? I think she is a beautiful girl. I think. Hein? Le verbe penser, ok? Think, penser. Verbe lancer to think, Gléas, qui s'écrit comme ça. Pour me conjuguer, je vais éliminer le coup. Je me dis, I think, you think. Là, je vais dans la troisième personne qui c'est he. Je me dis, he thinks. Ok, mettez S parce que la troisième personne apprend S en anglais. Je me dis, he thinks.
I think, you think, he thinks. C'est là, notre troisième personne, on met des S, ok? C'est que là, on m'a parlé de prise. Je pense, tu penses, il pense. Coup de la classe, si moi je parle là de passé, verbe fin, passé après le bon mot classe, j'ai acheté, ok? Ça c'est j'ai acheté, T-H-O-U, j'ai acheté. Bon, m'écrit là, hein? Ok? Ça c'est passé. Pour qui ça, ça va être vivre la classe? Think, là, on va mettre aider, il va prendre aider d'elle pour le passé. Pour qui ça? Parce que think, c'est un verbe irrégulier. Ok? Verbe irrégulier, yo, yo pas qu'à prendre aider pour yo former passé, yo. Ok, classe? Tout, think, thought, thought, ouais. Si ma psy c'est hier, m'te pensé, tel bagay, m'te pensé, qu'on a pour dire m'te pensé, m'a utilisé passé ça, hein? I thought, ouais. Qu'on a pour m'utilisé passé composé, m'a dit, I have thought. J'ai pensé avec accent aigu, j'ai apostrophe I. J'ai pensé, ouais, I have thought. Qu'on a pour utiliser présent continu, ouais, être en train de penser, je dois dire I am thinking. Vous donnez mon a dit ça, hein? I am thinking about you. I am thinking about you. Je dis ma pensée avec, hein? I am thinking. Laisse-moi maintenant. Présent continu. You are thinking. He is thinking. Est-ce que là, hein? L'aime gagne thought ça là, m'a gagne passé et aussi participe passé. L'aime gagne I have thought. Laisse-moi gagne passé composé. L'aime gagne I am thinking. You are thinking. M'a gagne présent continu. Très bien. On a le rapide dans take. Dans verbe take. Take qui est le verbe prendre. Prendre. Take me as I am. Comme j'en m'y a. Take me as I am. Alright? Take me as I am. Let me write it. Vous avez pensé à déjà? On va tirer là. Take qui est le verbe prendre. Dit Take me as I am. Hmm? Take me as I am, dis prends jamais là, ok? Take me as I am, prends jamais là, hein? Ça veut dire sourire même ou sourire prends jamais là. Take me as I am, ok? Take me as I am, take c'est le verbe prendre, hein? Capturer, hein? Take me as I am, prends moi jamais là, ok? Take là lui au présent, ok? L'aime dit tout take, qui c'est infinitif là. I take, you take, verbe là au présent. Seulement la troisième personne à la pointe S dit he takes. Ok? Pour la classe, si je veux passer pour me dire l'été prend, j'en m'te. Pour la classe, je veux took. She took. Ouais, she took. Took, c'est le passé. Elle dit pour me parler de passé, passé simple. She took me. Ouais. She took me as. Bon, peut-être ces gens m'ont taillé, ouais. Parce que si c'est ces gens m'ont taillé. Laisse-moi le même as I was. Ouais. Took. Let me took. Je vais passer, ok? I took yesterday. I took last year. I took last month. I took last week, etc. Ok? Kounya, besoin. Participe passé verbe take. Let me get you take. Get to take. Qui vient bon moi took. Took pour passé simple. Et puis me get participe passé à qui c'est taken. Participe passé à qui c'est taken. Kounya, si m'a conjugué verbe sa classe au présent continu, m'a dit présent continu être en train de prendre, m'a dit I am taking. You are taking. He is taking. Laisse-moi gagner présent continu. C'est là, hein? Présent continu. Kounya glace. Si besoin
passé composé, c'est avec taking la formé, c'est have plus verbe là, passé composé. Passé composé, I have taken. I have taken. J'ai pris. Ouais, pris. J'ai apostrophe. J'ai pris. I have taken. You have taken. He has taken. Ok? Allez, rapide. Si qui est le verbe voir. Ok? Qui est le verbe voir. Let me see you. Hein? Let me see you. Hein? Fabien, nous te parler de lettre. Lettre qui est le verbe laisser. L'homme dit let me see you. Let me see you. Qui ça me dit là? Me dit quitter moi. Laissez moi. Let me see you. Let me see you. Ok? Si qui est le verbe voir. Si. Ouais. Si. Me dit moi aujourd'hui. Hein? Me dit I see you today. Ouais, I see you today. Moi, ouais, aujourd'hui. Ok? Pour nous, qui ça me besoin là? Me besoin de passer du verbe si. Le passé, c'est so. S-A-W, comme ça, en classe. Yesterday, I saw your brother. Yesterday, I saw your mom. Yesterday, I saw your car. Hein? Last month, I saw you in my church. Ouais, m'te ou dans l'église, moi, hein? I saw you. I saw, c'est le passé, voyez. I saw, c'est le passé. Ok, Gléas? Kouna, Gléas? Si me je participe passé, verbe si, m'a gagné seen. Ok? Si m'a dit Gléas, par exemple, moi te wel déjà. Moi te wel ou déjà. Ouais, m'di, I have, moi te wel ou déjà. The I have already seen. Si c'est un garçon, the I have already seen him. Si c'est un garçon. Si c'est une fille, the I have already seen her. I have already seen her. I have already seen him. Hein? Qui ça me dit là? Je l'ai déjà vu. Ouais. Je l'ai déjà vu. Ça c'est bon garçon. Je l'ai déjà vu. Ça veut dire une fille. I have already seen him. Qui est-ce me wea? Un garçon. Qui est-ce me de wea? I have already seen her. Qui est-ce me de wea? Une fille. Est-ce que vous l'avez? Very easy. Hein? Très facile. Kounya, si moi je présent continue en classe, être en train de voir quelqu'un, m'a dit, I am seeing. You are seeing. Ouais. He is seeing. C'est ça, non? Être en train de voir. Ok? De vous dire, I am seeing. You are seeing. Être en train de voir. Ok, Gléas? Être en train de voir. Ok, good. Now, nous allons come. Ok? Il y a un bon pile d'examen avec come. On a le verbe come, qui est le verbe venir, le numéro 17. Come, ok? Come. Hein? Coup verbe ça, il est vraiment long pour me terminer tout verbe ça. Ok? Bakone, si, pour me terminer. This, my. Ok, il y a un peu de monde qui voit le numéro, c'est vrai, mais il voit le 100 code pays. Lève-moi le numéro, mes amis, je ne sais pas qui code, qui lié. Lève-moi le numéro pour me mettre dans Google. Faut que tout voyez avec code là. Hein? Hein? Faut voyez avec code pays. Hein? Pas oublier tout, every easy, ça li pas correct, non, gestelé. Ah, on t'a dit very easy, ok, je comprends. Very easy, très facile, hein? Très bien. Très facile, hein? Ok. Ça y est, m'a juste bypassé rapide, pour m'a terminé, m'a bypassé, ok, come. Verbe lancé to come. Passé à se came. Participe passé à c'est come. Ok? Verbe là c'est to come. Venir. Ouais? Verbe là c'est to come. I come today. Je viens aujourd'hui. Yesterday I came. Yesterday I came. Ouais, son ça c'est I came.
Et puis, pour participer à CA, les vignes étaient les mêmes gens qui c'est. Come, alright? Quand si m'a dit yeah, m'a dit I came. Si m'a dit aujourd'hui, m'a dit I come. Ok? Quand si m'a utilisé passé composé, m'a dit I have come. Si m'a utilisé présent continu, m'a dit I am coming. Ok? Quand les gens m'a dit I am coming late. Avec dit moi venir en retard. Ouais? I am coming late. I am coming. En présent continu. On a le verbe want. Want qui est le verbe vouloir. Je ne vais pas tellement étampir sous lui parce que. Ok? Dit verbe là c'est to want. Participe passé. Passé simple c'est wanted. Wanted. Et puis participe passé c'est même wanted là. C'est un verbe irrégulier. Ils sont verbes réguliers parce qu'elle termine par aider. Régulier. Ok? On a les want qui est le verbe vouloir. Hein? Look. Look. On dit c'est to look. Passé à c'est looked. Ok? Regardez. Looked. Hein? C'est que si m'a dit yel te gade. M'a dit yesterday she looked. Ouais? She looked. Les gonti sont temps qui dit que lui au passé. Ok? Lui au passé. Même ça, c'est lui même qui participe passé à. Si m'a dit. Pour qu'ils soient gardés ou gardés comme ça, just dis why are you looking? Why are you looking at me like this? Okay? Why are you looking at me like this? Hein? Pourquoi tu es en train de me regarder comme ça? Why are you looking at me like this? Hein? Pourquoi ça va regarder moi comme ça? Why are you looking at me like this? Pourquoi ça va regarder moi comme ça? Why are you looking at me like this? Là, m'utiliser le verbe look là au présent continu. I am looking, you are looking, okay? Use. Verbe là c'est use. Passé à c'est used, participe passé à c'est même use là, okay? Mais même use ça, là on parle de user. Utilisez même use ça, ouais. Dit use the car. Hein? Use the car. Qui c'est machine use. Hein? Machine deuxième main. Use the car. Ouais. Use the. Ok. Utilisez comme use. Ok. On a encore. Get fired. Regardez le verbe ça. Fired. Verbe lancé. Fired. Joël est là. Participe passé à c'est passé simple c'est failed. C'est failed, F-O-I-D, OK? Si me dit jodi a moi jouer nous, me dit today I failed, OK? Yesterday I failed, ouais? I failed, c'est passé et puis participe passé. Failed, OK? Passé à c'est ou bien participe passé. Failed, c'est yesterday, ouais? Si m'a dit j'ai trouvé qui c'est passé composé, qui c'est passé composé classe, et bien très facile, on dit I have found. I have found. Ok, si on utilise présent continu, on dit I am fighting. Ok, parce que le verbe là c'est to fight, I am fighting, ok? Good. Tear. Verbe là c'est to tell qui c'est raconter comme ça. Passé c'est told. OK? Passé c'est told. Participe passé c'est told. I tell you. OK? Today I tell you. All right? I am telling you right now. I am telling you est en train de raconter. Yesterday I told you. Ouais? Told, c'est le passé. Passé à c'est told. Pourquoi ça fait le changer là? Lui pas pour aider? Parce que son verbe irrégulier. Ok? Le verbe raconter. Work. Ça, facile vous connaître. Verbe là c'est to work. Comme ça. Passé à c'est worked. Pourquoi ça prend aider? Parce que son verbe régulier. Le verbe travailler. I worked today. Yesterday, I worked. Ouais, son T. I worked. Ok? On allait rapide. Give. Qui c'est le verbe donner? Verbe là, c'est to give.
I give you something today. Yesterday, I gave. I gave. Participe passé, à qui c'est? Given. Ok? Given. Si m'a dit, je te donne quelque chose, m'dit, I have given you something. Ouais? Je te donne quelque chose. I have given you something. Là, m'gagne passé composé. Ok? M'gagne passé composé. Kounya glas, si m'besoin présent continu, m'dit, I am giving. You are giving. He is giving. Okay? Very easy. Kounya m'gagne call. Call. Call qui est le verbe appeler. Okay? Ou est le monde, hein? I call you. Verbe là, c'est call. Passé à c'est called. Call ça, même call là, il participe passé. I call you today. Okay? I am calling you right now. Mwe rele ou kounya. I am calling you right now. Okay? I am calling you. Ça veut dire, m'aprele ou kounya. Si m'di m'aprele ou kounya, m'jazi, I am calling you, okay? I am calling you, okay? I am calling you. Ça veut dire, pour ma parler, même ma composer numéro, on veut ce que m'a pris le kounya, hein. On va m'a pris le kounya, hein. I am calling you. Thank you my friend. Baptiste, Dieu ni. Après live là pour m'a réviser tous tes commentaires. Plutôt monter sur page là après, like page là et puis voyez numéro un non, message sur page là pour moi, vous comprenez? I am calling you, okay? Call dans ce participe. Si je sais yem de hello. Yesterday, I called you. I called. Okay? Là, il y a son de. Et de, il y a trois sons en anglais. Il y a son ta, il y a son de, et puis il y a son id. Okay? Tout ça, un bel petit travail. C'est travail que je fais pour vous. Bel coup, ma bau là. I am calling you. Very easy. Okay? Now, I'm going to try. Try qui est le verbe essayer. Try. Hmm? Try, man. Try. Essaye, man. You can. Try. Ok? Tout ça, c'est belle bagaille pour m'ba. Ok? Très bien. Seul bagaille, mes amis, de pou pa être dans live là, ou doit partager. Pas oublier ça. De pou pa être, ou gagne un grand rendez-vous, c'est partager. Parce que, à partir de lundi, si je veux, m'a gagne un exercice qui a dim. Selon exercice là, l'em l'île. M'a connait est-ce que verbe là m'a utilisé au passé, est-ce que verbe là m'a utilisé au présent, est-ce que verbe là m'a utilisé au présent continu. Ouais, n'a gagné un bel exercice qui a gagné 16 ou 15 numéros. Oui bah hein, même verbe ça m'a faire parce que des fois me fin font bagaille, me fait exercice pour lui pour moi sou comprendre. C'est ou même qui va faire exercice là dans comme tout yo hein. Ou di numéro 1 verbe là au passé pour écrire le verbe là vous ben moi j'aurais m'a détaillé là et peut-être ça m'a détaillé et dit le décider veut ou pas le faire ben moi ou pas le voir dit dans tel numéro exercice verbe ça maintenant qui temps la vie et cela hein. Si la phrase là gagne si ou après ton exercice vendredi et lundi hein écris yes hein, écris yes, I am waiting for, écris yes. Hein? Let's try. Ok, great. Très bien, Frédéric. Tried. Ok? Gagne un règle qui dit. Semaine lundi, m'a fait règle qui dit comment former pluriel en anglais. Et pour prendre tout, ouais. Le mot a terminé par Y. Ok? Pour me voir au passé, m'a pas ajouté EDA. Y l'a vu transformé en IED. Les m'a formé pluriel là, la vin transformé en I et S, ok? La montre ça. Là, ça c'est verbe là, la m'gen qui c'est tout tried, qui c'est essayé. Passé à qui c'est tried. Ok? Tried, c'est le passé. M'di, ou t'es essayé, yeah? M'di, you tried yesterday. You tried, ouais? La m'gen tried, tout simple, I tried. Tried, qui c'est passé à, et puis participe passé à, ouais? Qui participe passé. Quand on dit être en train d'essayer, hein? Être en train d'essayer, on dit you are, I am trying. Ouais, I am trying.
I am trying. You are trying. He is trying. We are trying. They are trying. Être en train d'essayer, ok? Et après, suivez bien passé le verbe, parce que l'on va faire l'exercice là, c'est ou même qu'on peut me faire le d'ici de verre. Number, ok, ask. Parce que tout est passé là, hein? Ask, qui c'est le verbe demander. Dès qu'on utilise ask pour dire demander, ou bien ask pour dire poser. Ask me a question, poser une question. Ask something, demander quelque chose, hein? Ask. Passé à c'est ask like this. Avec aider. Parce que son verbe régulier. Même ça, tout le tout participe passé. Ouais? Si c'est hier, me demande, m'a dit I asked yesterday. Si c'est jeudi, m'a dit ask. Si c'est être en train de demander. Si c'est demander, m'a demandé pendant ma parole. Je dis I am asking. You are asking. He is asking. Ouais? Bien facile. Et après, nous avons le verbe need. Need, qui c'est avoir besoin de. Hein? I need something. J'ai besoin de quelque chose. Hein? Passé à ce need. Ouais, avec aider, parce que c'est un verbe régulier. Need. Si c'est yem de besoin, hein? Je dis I need. I needed. Ouais, I needed yesterday. I needed yesterday, ok? Today, no. I needed yesterday. C'est yem de besoin. Je dis à non. Ouais. I needed. Today, yesterday, I needed. Ok? C'est passé, hein? On est pour présent continu en même bagaille. I am needing. Feel. Feel, qui a le verbe sentir. Sentir, ça, c'est le wap respire. Et pas le wap prend mauvais sent, non? C'est sentir dans le sens de j'ont senti quoi, si vous sentiez écrasé, comment on sentit santé, etc. Hein? Fear, ok? Verbe là c'est I feel qui c'est présent. I feel like this. Passé à c'est felt. Ok? Felt. Et aussi participe passé. I feel good today. Nous sentis bien jodi, on me démontre bien déjà. Quand on me dit hier, me pas senti bon. Me dit hier, me pas bon du tout. I didn't feel good yet. Non, bon qui t'ai dit là? I didn't feel good yesterday. Me dit hier, moi pas été bon. Me dit I failed. Ouais. I feel bad yesterday. Failed. C'est que m'utiliser sentir au passé santé, hein. Me t'ai senti mal hier. Ouais, failed. Pour utiliser le présent continu, on dit I am feeling. I am feeling. Et ça fait, il y a une démontre en question, vous dit comment sentir? How are you feeling today? Comment sentir aujourd'hui? On dit comment sentir aujourd'hui? Vous êtes malade? On dit how are you feeling today? How are you feeling? How are you feeling today? How are you feeling today? Comment ou senti aujourd'hui? Ou bien dit moun, are you feeling okay? Are you feeling okay? Est-ce qu'on sent ou bien? Are you feeling okay? Alright? Are you feeling okay? Est-ce qu'on sent ou bien? Mon nan la bretonne la dit, yes I am. Yes I am. Are you feeling okay? Yes I am. I feel so good. What? I feel so good. Are you feeling okay? Yes I am. I feel so good. I feel great. What? Okay, guys? Et après, become. Become devant le ciel, le verbe devenir. Okay? Devenir. Verbe là, c'est to become. Passé à c'est. Became. Ok? Passé à c'est became. Passé à c'est become. Même become non, ouais, qui devant. Hein? Ok? Become. L'écrit même genre avec infinitif là. Hein? Became. Hein? Became. I became. Yes. I became yesterday. I became last year. I became last month. Ouais, passé.
Mbon paket expression ki rapport a passé. And I become today. I become. Ki se présent. Kounye m di I have become. Si m vin gen I have become pou sa, OK? Se j'ai devenu. Kounye li au passé composé. I am becoming. Let me get I am becoming, c'est que maintenant, présent continue. I am becoming. Être en train de devenir. Ouais, être en train de devenir. Good. Alright, and leave. Leave. Leave qui est le verbe partir, quitter. Hein? Verbe là, c'est to leave. Passer à c'est left. Ok, left. Ouais. I left, m'di, hier, m'kite la kay mwen a 10h. Wè? Ouais? Hier, mwen kite la kay mwen a 10h. You see, Glass? Hier, mwen kite la kay mwen a 10h. M'di, yesterday, I left my house at 10. Wè? Ouais? Yesterday, I left my house at 10. Di yem te kite la kay la a 10h, wè? M'utilize passé du verbe leave. Passé, wè? I have, yesterday I left my house at 10. Di yem te kite la kay la a 10h, wè? Kite. Verbe la se leave, I leave présent. You leave, hein? Mais lem nan passé a se left. Put. Bon, mais bel verbe la, hein? Verbe sa li même Cléas. Li pas changé en rien. Infinitively, put. Passé li, put. Participe passé li, put. Est-ce que la Cléas? Non, tout le trois temps, li était même gens, OK? Kounya se jan parler, moun an pral est-ce qu'on a passé a? Est-ce qu'on a présent ou bien est-ce qu'on a passé composé? Hmm? Par exemple, si me dit today I put my pen on the table. Ouais. Ni today I put my pen qui c'est plume. I put my pen put qui c'est mettre. I put my pen on the table. On table qui c'est table. Ouais. Si me dit today I put my pen on the table, c'est que là ou que t'en ouais put m'utiliser là, li au présent. Très bien, vous t'y partagez hein. Ou que t'en ouais li au présent. Très bien. That's the next thing that kids agree. Okay? Simdi, ouais, put la, li, rete dans tous les trois temps, yo, hein? Simdi, today, tu viens, today I put my pen on the table. Ça que m'di, jodi, a mette plus moyen sous table. Kouna, simdi, yesterday, I put. Le bon, le m'di, yesterday, là, c'est que, ou getan, ouais, moi n'en passé, okay? Si m'di yesterday, ou get away, mwen nan passe. Est-ce que la Cléas? It's very easy. Ça dépend de jan moun nan parle ou pral wè si li nan passe ou bien si li nan présent. Very easy, hein? Mean, ki se le verbe vouloir di? Lem gen tout mean. Passe a se. Met, like this. Seulement ajoute te, hein? Met. Mean, ki se vouloir dire. Vouloir dire, hein? Vouloir dire. Je veux dire, m'di I mean. Tu veux dire you mean, OK? Kouna si m'a dit voulait dire, m'a utilisé mean. OK? Voulait dire mean. OK? Very easy. Hein? I meaning. Hein? L'autre dit meaning. Meaning, c'est même ça utilisé pour dire qui signification tel bagaille. What is the meaning? What is the meaning? Quelle est la signification de tel bagaille? Là, machin ça fait mal au tir, puis là, keep. Keep. Keep, qui se garde, verbe là c'est to keep. Passé c'est kept. Ouais, kept, qui tout participe passé. Keep, qui se garde. Hmm? Keep on. They keep telling me. Keep telling me. They continue à raconter, mais. Continue à raconter, mais. Keep telling me. Kounasim dit kept. Immédiatement, m'di kept. C'est que là, m'non passé. Yesterday, I kept. Last Sunday, I kept. Last month, I kept. Ouais.
Last year, I care. Ouais, passé. Hein? Kou la sin beze. Passé proposé, am di. I have kept. I have kept, même kept ça. Si monsieur Baptiste présent continu, on dit I am keeping. I am keeping, you are keeping, he is keeping, etc. Dernier verbe là nous dit c'est let. Nous sommes bon, verbe put qui était même genre avec let. Verbe let, il était même genre aussi, hein? Let. 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 Ouais? Faut suivre. Parce que dans devoir, à bien piège, hein? Dans devoir. Parce que c'est vous-même qui parlez de me faire devoir, pas comment tu, non comment tu. Est-ce que là, hein? Thank you. Alright. Let. Est-ce que là? Ça, c'est le verbe laisser. Oui, I'm the zoo. Let me show you. Laissez-moi vous montrer. Let me show you something. Ouais? Let. Ouais? Kounia, c'est dépend de je vous parle. Je parle, est-ce que vous utilisez le présent? Ou bien est-ce qu'on utilise le au passé? Même genre avec put nous autres moutons là, hein? Là. Dis, let me help you, my friend. Hein? C'est que là, mando pour m'aider pendant que je fais un bagay. Dis, let me help you. Laisse-moi vous aider. Let me help you. Quand je dis, yem te kite monsieur Edem. Dis, yesterday, I let him help me. Te kite l'Edem. Est-ce que là, hein? Let, si me dit yesterday, ouais, me souhaite que yesterday t'as l'air. Me dit yesterday I let, c'est que non passé. Mais si me dit today, ou bien me dit in the morning I let you, in the afternoon I let you, okay? Si me dit last Sunday, I let him, ouais. Si me dit last Sunday I let him, c'est que t'as ouais maintenant passé. C'est ça pour vous, hein? Ok? Very easy. Remember, class, Westmoon, qui peut vous voir le numéro? Voyez le numéro, moi, non, SMS, hein? Différent, oui, là, yo. Ok? Voyez non SMS. If you do not, let me know. Yes, good. Exactement. Super fait, me connaît. Ok, good. Super bon accès pour me connaît. On a les class. Hi, class. Oh, my friend, very late, man. What's happening? Ok, Glass? Remember, songez Glass, quoi c'est du lundi au vendredi, 8h, 9h. Mais le dimanche, depuis le fait 7h pile, nous mettons un chant sonnette, côté que vous apprenez anglais, vous passez, et puis nous faisons traduction, ok? Le dimanche, nous faisons traduction, chant sonnette, côté que vous apprenez des vocabulaires avec, le dimanche, 7h, dimanche, nous faisons chant sonnette dans un écran. Côté ou regarder nous prend vocabulaire par vocabulaire là nous fin prend vocabulaire yo. Après ça nous al traduit chant par phrase nous montrer que anglais pas traduit mot par mot, OK? Nous montrer ça là nous fait chant le dimanche. Chaque dimanche 7h 8h yo traduction chant. Yo moun ki gen une belle chansonnette ou ka just voye ban moi, OK? Une belle chansonnette oui moi mes belles chansonnettes, OK? Vendredi passé, tu as chaque fois un bel chambre moi. Ou vous voyez le même genre, vous voyez le numéro. Vous voyez le numéro pour me confirmer nous. Sous groupe là, ok? Rapidement, vous voyez. Have a good weekend. Ouais. Dis have a good weekend. Have a good weekend, c'est passer un bon weekend. Passer une bonne fin de semaine, ok? Have a good weekend. Remember, songez, dans ce moment-là, on traduit une chansonnette, côté que nous avons un bel vocabulaire qui est dedans, et après ça, nous allons traduire pour nous montrer anglais pas traduit mot à mot. Vocabulaire, ça nous se traduit là, mais ça veut dire dans le chant. Ok, class? Thank you for following Malmanche on the air. Al continue, al like page là, invite les amis pour nous agrandir la famille. Léna fait exercice pour nous jouer au moins 200 personnes, ap voyer réponse sans camper. Thank you for following Malmanche on the air. It was a pleasure to be with you every night, chaque soir, okay? Thank you, have a good weekend. Don't forget to pray. God bless you, and I'm gonna pray for you. Pray for me. Thank you very much. Bye.